Ah, je sais pas viser. Ah non. Ah. Bonjour à tous et à toutes, c'est Frugiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui sur PlayStation 4 pour débuter notamment cette vidéo par la découverte de l'application Spotify sur console qui vous permet d'écouter en fait de la musique tout en jouant à vos jeux préférés, notamment par exemple vous lancez de la musique et vous partez en game Fortnite, vous allez pouvoir écouter ce que vous souhaitez à travers Spotify. Et une fois connecté, l'interface est vraiment très claire et facile à prendre en main. Vos titres du coup que vous allez pouvoir écouter sont rangés sous forme de catégories et ensuite de playlists. Par exemple, vous avez la catégorie pop, variété française, hip-hop. Nous, on va aller dans gaming avec encore une fois plein de titres de disponibles, par exemple dans la playlist Epic Gaming. Vous allez pouvoir y retrouver différents titres tirés de jeux ou de films. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour se mettre dans l'ambiance en jouant. Mais ma playlist préférée, ça reste Top Gaming Tracks. Parce que dans celle-ci, vous avez une compilation de pas mal de musique qui en envoie et qui vous donne envie finalement de vous défoncer en jeu, donc ça sur Fortnite par exemple c'est parfait. Mais malheureusement il est temps de se mettre dans l'ambiance avec notre cher Beethoven puisqu'aujourd'hui les amis est un jour particulièrement sombre. Aujourd'hui marque le jour de mon humiliation devant vous, mes cruels abonnés qui n'allaient à mon avis n'avoir aucune pitié face à moi puisqu'aujourd'hui vous allez assister à ma première game Fortnite sur console, une manette en main. Et croyez-moi, ça n'aura rien à voir avec les top 1 que je vous fais sur PC. Là, aujourd'hui les amis, je sens que je vais me faire ridiculiser à peine arrivé en jeu. Mais je tenais à découvrir cette version console de Fortnite pour la comparer finalement à sa version PC. Nous allons donc jouer ensemble et découvrir ensemble ma première game Fortnite sur PlayStation 4. J'espère réussir à faire au moins un kill. J'ai vraiment peur, mais écoutez, nous sommes partis. Et me voici donc en jeu, mes premières secondes en jeu, la manette en main. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que bah, finalement, j'aurais lancé le jeu sur PC, je m'en serais même pas rendu compte de la différence. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être sur le petit Fortnite PC que je connais habituellement. Et malheureusement, ça va devenir plus compliqué quand il va falloir tuer des gens. Bon, alors, j'ai réussi à ramasser une arme là, voyons voir. Ok. Ok. Ah, il y a une aide à la visée. Ah, ça a l'air sympa ça. Ça se met automatiquement sur les gens qu'on vise. Ok. Je pense qu'il y a peut-être moyen, malgré le fait que ce soit ma première game, les amis, que l'humiliation ne soit pas aussi cuisante que ce que je pensais. Allez, on est parti, on va sauter. Alors déjà, est-ce que je vais réussir? Ah, ça va, ok. J'ai l'impression que je gère bien aussi le parachute. Ok. On va essayer de viser et d'atterrir sur les conteneurs. Oh, ça se passe plutôt bien. J'ai réussi, malgré le fait de jouer avec des joysticks, à bien viser pour mon atterrissage. Donc cette zone qui est quand même assez cool, à mon sens, avec plein de petits coffres. Est-ce que je vais réussir à rentrer là-dedans? Oh oui! Pour l'instant ça va, je m'en sors bien. Bon, dit le mec qui vient juste de réussir un atterrissage dans le jeu. Ok, et on a notre première arme, un fusil d'assaut. Qu'est-ce que ça va être? Moi, au fusil d'assaut sur ce jeu avec une manette, je ne sais pas. Écoute, ça va être expérimental. Oh, j'entends déjà quelqu'un. Non, je peux pas déjà mourir. Où est-ce qu'il est? Vite, faut qu'on rentre là-dedans. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Comment je m'accroupis? Comment je m'accroupis? Oui! Oui! Ok, j'ai un fusil à pompe. Ok. Où est la personne que j'ai entendue? Comment je sprint? Ok, c'est comme ça. Je vois. Il faut quand même qu'on arrive à faire un kill dans cette vidéo, ce serait génial. Oh, il y a encore un autre fusil à pompe. Comment je change d'inventaire là? Ok, non, ouais. Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je comprends que dalle. Non, il y a plein de trucs qui s'ouvrent. Ok, j'ai trouvé. Ok, X. Ok. Ok, oh j'ai réussi. Oh non, je suis passé en mode construction. Oh, attendez. Oui. Oh là là, oh je gère, j'ai réussi à poser une construction. Incroyable, parce que pour moi, je pense que ça va être le plus compliqué, hein, vraiment, dans cette version finalement de Fortnite, ça va être clairement de poser des constructions. Oh, c'est parti, on fonce. Le premier kill. Le premier kill, les amis. Le premier kill. Oh, bim. Oh, je sais pas changer d'arme alors. J'ai martelé le bouton comme un nul. Oh purée, j'ai fait un kill. Incroyable, mais il visait qui ce mec? Il visait quelqu'un, non? Oh. Bon, bah peut-être que finalement cette vidéo va être moins laborieuse que ce que je pensais. Incroyable les amis, un kill dans cette vidéo, il faut que je trouve comment recharger. Oui. Oh, j'ai trouvé. Ok. Bon, étape 2. Parfois il y a un coffre là-dedans. L'objectif va être de monter là-haut. Comment je fais? Ok, ok. Ok. Et à la limite, si je pose que des escaliers, je pense qu'on a moyen de s'en sortir. C'est vraiment la pire des stratégies de tous les temps. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tuer quelqu'un d'autre ici? Alors, je viens de voir un arbre là qui vient de se casser de l'autre côté. Et là, clairement, il y a eu du fight avec des gens qui savent construire. En fait, j'ai aucune chance. En fait, à partir du moment
à la seconde même où je vais tomber sur quelqu'un qui construit, ce sera fini. Ce sera fini, mon espérance de vie atteindra zéro, comme c'était censé être le cas au moment où je touchais le sol. J'ai entendu des gens tirer. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Enfin, je crois. Enfin, en tout cas... Oui, regardez, il y a quelqu'un. Ok, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, j'ai pas réussi à poser avant qu'il me tire dessus. Où est-ce qu'il est? Oh, il est là. Ah, j'ai même pas eu le temps de le viser que j'étais mort, mais voilà. Voilà ce que je redoutais sur cette version console de Fortnite. Bon, nous sommes repartis, si ça se trouve, j'ai juste été malchanceux, hein. Si ça se trouve, au final. Je garde confiance, écoutez, je garde confiance. Allez, c'est reparti pour un tour. Oh non, il y a déjà des gens partout autour. Oh, oh l'enfer. Oh l'enfer, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à rien à contrôler. Ok, comment est-ce qu'on voit ça? Ok. Allons nous suicider. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? J'ai même plus de construction. Oh! Oh, ça tire! Attention! Quelqu'un au-dessus. Allez, on monte. Oui! Oui! Oh! C'est un kill! Oh my god! Ok, génial, génial. Oh purée. Hey, est-ce qu'on partirait pas sur une petite collection de mitraillettes? Alors attendez, parce que le but c'est quoi? Le but c'est quand même d'ouvrir son inventaire. Mais comment j'ai fait la dernière fois, quoi? Je trouve même plus la touche. Ah, voilà. Hop, et de mettre les bonnes mitraillettes l'une à côté de l'autre. Voilà, c'est parfait. Même pas fichu de marcher sur ce que je construis. Ok, regardez, il y a encore des gens qui fight, là. Allez, go. Oh, il est là. Oh, oui. Oh, encore un kill, mais c'est incroyable. Oh, mon Dieu, il y a quelqu'un d'autre. Ah, mais justement, il a un fusil à pompe. Eh ben, voilà. Ah, bah, alors, là, mais, est-ce que je lui ai mis une seule balle? Je ne sais même pas, je crois que oui, je l'ai vaguement mis. Je sais pas, là, tout d'un coup, j'ai fait 2 kills, j'avais l'impression de savoir jouer, mais je crois que je m'emballe beaucoup trop. Bah non, mais moi, j'ai pas votre emote, là. Mais non. J'ai que l'emote popcorn, je me sentais sale dans le lobby. Ok, troisième game, troisième tentative. On va peut-être faire... Ah, on va faire la technique spéciale Bambi, à savoir sauter au dernier moment. Hein, comme ça, on tombe qu'avec des joueurs qui savent pas jouer. Et peut-être que là, on arrivera à aller plus loin que jouer 30 secondes dans une game. Ok. Oh! Oh! Oh oui, ça c'est bien ça. Ah, attendez. Je me souviens de la touche, je crois. Non. Oui. Oh, j'ai trouvé. Ok. Parfait. Ok. Ok. Donc là, on a quand même un fusil à pompe plutôt pas mal. Et un fusil d'assaut pour se battre à distance. On a tout ce qu'il faut là. Là, on est bien là. On a même trouvé des petites potions, regardez-moi ça, histoire de se mettre un petit peu de bouclier. Je vous raconte pas à quel point je galère à prendre en main l'arme que je veux. C'est un enfer. Je veux dire, bon, quand vous jouez sur PC, vous appuyez sur une touche, hop, il y a votre arme qui sort. Là, il faut faire tic-tac, tic-tac, tac, vous voulez la pioche, faut appuyer sur triangle. Enfin, c'est l'enfer, j'ai du mal. Oh! Un fight! Attendez. Oui, ok, on est bien. Oh mon Dieu, on a mis un dégât. Oh mon Dieu, go. Ah, je suis tombé. Non. Go. On va l'avoir, Oui. Oui. Oh, incroyable. Mais comment j'ai pu gagner un fight? Mais je veux dire, sur PC, un mec qui a ce stuff là, il m'aurait défoncé la figure. Comment est-ce que j'ai fait pour gagner? J'ai pris 0 points de dégâts. Mais c'est délirant. Regardez, il avait une scar légendaire. Oh là 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 là. Mais est-ce que par hasard, le jeu ne serait pas gentil avec nous pour compenser mon absence de skill totale? C'est à croire, hein? C'est à croire que le jeu fait exprès de nous aider, finalement. J'arrive même pas à viser les hurons lorsque je dois récolter des ressources. Je sais pas, genre, le fait que le huron change de place... C'est un miracle, vous voyez? Quand j'arrive à le toucher, c'est un miracle. Bon, en plus, je suis pas très discret, là, à casser mes arbres. Oh, il se passe des choses. Oh, il se passe des choses, ici. Je pense qu'il est pas loin. Oh, il est là, regardez. Oh! Incroyable, j'ai fait un headshot. Merci, là, de la visée. Merci, ma famille, mes amis. Oh, mon Dieu! Non, pas après un kill! J'étais si bien! Pose-moi des fichus trucs, là. Ok, c'est bon, j'ai posé. Ok, oh, oh! Ah! Non! Posez les murs! Oh, j'ai réussi! Ah! Un mur! Ah, je crois que je vais poser que des murs. Je panique. Ne pas paniquer, tout va bien. 2 mecs qui m'affrontent en même temps, mais faut pas paniquer. Oh, j'ai touché. Oh! Oh!
c'est incroyable, mais que se passe-t-il dans cette vidéo? Mais que se passe-t-il? Il faut aller le chercher là. Il faut aller prendre des munitions sur les gens que j'ai tués. Bon, il y a le mec en bas. Oh, il avait de l'armure et tout. Bon, on va aller prendre le mec en bas. On verra bien ce qui se passe en haut par la suite. Non, mais c'est incroyable. Oh! Mais ce jeu est beaucoup trop simple sur console! Je vise n'importe qui, je touche! Ok. À couvert! Sois bien. J'ai une balle! Non, toi pas bien du tout, hein. Avec une balle, ça va pas le faire. Ok. Sois bien. On recharge. Donc là, on est sur le genre de mec qui construit, hein. Donc on va construire comme nous aussi. Ok. Ah! Non, eh ben non, mais ça pouvait pas continuer comme ça. Mais non, mais... Enfin, on va dire que l'aide à la visée m'a vendu du rêve. Je pensais que j'allais mettre toutes mes balles sur ce mec en avançant et en tirant. J'ai l'impression que c'est peut-être pas aussi simple. Allez, je me laisse encore 3 tentatives pour arriver dans le top 10. Mais l'une de ces 3 tentatives va, à mon avis, très mal se solder. Et ce sera celle-ci, puisque j'ai prévu de sauter dans Tilted, la ville de tous les enfers, la ville là où tous les meilleurs joueurs sautent finalement au début pour ce stuff. Regarde-moi ça. Oh, j'aurais dû viser le vert d'ailleurs, c'était stupide de ma part, mais c'est pas grave. Oh! Oh! Toi bien. Oh! Il y a des gens dans tous les sens! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un mec au-dessus de moi! Ok, il est forcément là-dedans. Ah, oh, je sais pas viser! Ah! Non! Ah! Le mec, il est le temps de sortir, de se mettre à côté de moi pour tirer. Mais ça n'a aucun sens! Je ne sais pas viser sur console! Bon, bah malheureusement, ça compte comme l'une des tentatives, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, il n'y a pas intérêt à se foirer sur les deux restantes. Allez, on reste confiant malgré tout. L'objectif sur ces 2 dernières tentatives, c'est d'arriver au moins dans le top 10 du jeu, les amis. Top 10, hein? C'est même pas top 1 que je vis, c'est top 10. Est-ce qu'on va réussir à le faire? J'espère bien. Donc, on va prendre ces 2 premiers coffres là. On est dans la discothèque. Yeah, avec du coup de l'armure. Ça fait plaisir ça. Bon, par contre, ça va être l'enfer. Oh là là. Pour rejoindre finalement la zone de combat. C'est à l'autre bout du monde. Mais je pense que je suis pas le seul dans cette situation là parce que finalement la zone est à l'opposé de là où le bus a débuté sa course. Et hop! On prend ça au passage. Et pour l'instant, la game est plutôt prometteuse. Même si j'ai croisé personne, et c'est peut-être pour ça que c'est prometteur. Puisque je vous rappelle que je vise quand même le top 10. Donc là, c'est pas si mal. Ah, attendez. Ah, oh! J'ai failli faire un kill, les amis. On y croit. On continue d'y croire. Dans cette game purée, c'est des gens qui savent construire. Pourquoi je fonce vers là-bas? Il y a des gens qui s'affrontent. Oh! Qui s'affrontent alors? Qui me tire dessus? Attention. Attention. Oh! On va l'avoir. Oh, je sais qu'on va l'avoir. Je suis confiant. Oh! Il lance des grenades! Mon tir, il est tellement à 10 mètres au-dessus de la tête du mec, quoi. Attendez, je sais qu'il va sortir là. Il va sortir là. Vas-y! Non, là. Oh mon dieu. Il me tire dessus par la droite aussi. Je ne sais plus quoi faire. Oh non! Il a un lance-grenade! Fuyez! Ah! Que se passe-t-il? Je suis entre 2 mecs! Au secours! On va essayer d'avoir celui-là. Je le sens mieux. On dirait un Bambi. Oh! Oh! Non, c'est lui qui m'a touché! Non, je l'ai raté! Adieu, mon cruel! Oh! Oh! Il est mort! Construire! Dans tous les sens. Peu importe. Je sais pas ce que je fais, mais je construis. Ok. Ok. Il est mort. Tout va bien. Tout va bien, les amis. Là, j'ai absolument pas réussi mon kill au sniper. Mais c'est pas grave. Mes constructions ne sont absolument pas optimisées. Mais c'est pas grave. On est sur un top 18. Et ça, c'est bien. Ça fait plaisir, les amis. On continue comme ça et on recharge. Je ne comprends pas comment je fais pour être toujours en vie dans cette game-là. Surtout après
Bah, tu fais tirer dessus par 3 personnes en même temps. C'est ça le pire. Ils étaient 3 en même temps à me tirer dessus. Et il y en a qu'un seul au final qui a voulu me tuer jusqu'au bout. Il faut que je parcours une énorme distance pour me mettre à l'abri de la zone là qui démarre dans 20 secondes. Oh, on est dans le top 10. On est dans le top 10, les amis. Opération buisson enclenchée. Le top 1 peut toujours se faire. À partir de maintenant, je ne sors plus des buissons. Je reste dans les buissons jusqu'à la fin de cette game pour tenter le top 1. Mon buisson n'est plus dans une zone safe. Il faut trouver un autre buisson. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Il n'y a pas un seul buisson en vue. Il n'y en a pas un seul. Comment faire? Oh, j'ai tiré au sniper. Quel imbécile! Tout le monde va savoir où je suis. Il faut se barrer d'ici, vite. Vite, vite. Oh non, j'ai encore changé les chances de mes constructions. Vite. Un buisson, vite, 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 vite. Mais non, je comprends pas, il y a toujours pas un seul buisson en vue. Oh non, je vais mourir, pas à ce moment-là, je m'en sortais si bien. Non, en plus il sait construire. Ah! Ah! Ah non! Pourquoi il y avait pas de buisson dans cette game? C'est quoi, je suis tombé sur la seule game Fortnite où il y a pas de buisson pour se cacher? Non! Mais regardez-moi ça, mais comment est-ce qu'ils font? Ce sont des machines! On peut pas construire aussi vite en étant sur console, c'est impossible! Enfin, moi je ne sais pas faire, moi je ne peux pas faire. Allez, je vous propose d'observer du coup un bon joueur console en action. Eh bah, c'était de celui-là que je parlais, bien entendu, hein, et non pas de la personne qui nous avait tué. Le Raptor, très très bon joueur console. C'est parti, on observe du coup ses faits et gestes. Pour tout vous dire, en fait, je me pose malgré tout une petite question, parce que je sais que les joueurs console peuvent tomber contre des joueurs PC, et je me suis jamais posé la question de comment est-ce qu'on fait pour différencier un joueur console d'un joueur PC. Ça se trouve, ce mec que je regarde, il est sur PC, et j'en sais rien, en fait. Et le top 1 qui s'annonce, peut-être, il s'élance, il prend les hauteurs, il saute, incroyable, en direction du coup de la zone, mais que fait le dernier joueur? Pourquoi est-ce qu'il ne lui tire pas dessus? Ce dernier serait-il de parti se faire un café? On se pose la question, au point où on en est. Oh! Il était à droite! Il saute! Il s'élance, tel un basketteur, hein, un saut incroyable, son skin forcément correspond à ses capacités. Le Raptor qui quitte encore une fois sa position. Mais pourquoi? Quelle est la stratégie dans ce mouvement? Quelle est-elle? Il n'est même pas dans la zone qui dans 20 secondes va l'engloutir. Tandis que notre ami le basketteur donne tout ce qu'il a. Il donne tout. Ah, sulfateuse, hein, c'est terrible, hein, c'est terrible. Il a arrêté de tirer, mais avec 2-3 secondes de plus en tirant, je pense que c'était la victoire. Serait-il clément? Va-t-il chercher son café qui sera beaucoup trop chaud s'il le laisse chauffer aussi longtemps? Je ne sais pas. Nous arrivons sur les dernières secondes de game, les amis. La zone à seulement quelques mètres du Raptor. Le Raptor qui se fait tirer dans la tête. Et c'est une victoire pour Gaines qui avait 3 PV. 3 PV. Cette personne avec 3 HP a fait un top 1, les amis. C'est incroyable. Nous avons assisté à un affrontement de joueurs console. Je pense que je suis encore très très loin de ce niveau qui reste indescriptible. Écoutez, il va me falloir des centaines d'heures de jeu sur console pour y arriver. Mais du coup, grâce à l'aide des musiques que je vais gentiment écouter sur Spotify, eh bien je vais pouvoir me motiver du coup pour peut-être vous faire une prochaine vidéo dans laquelle je me serai entraîné d'ici là. Et j'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. On se retrouve bientôt et d'ici là, bien portez-vous bien, ciao tout le monde.